Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 3 sur Jalopy. C'est aujourd'hui sous la pluie que je vous accueille. Disons qu'on est parti ce matin avec Pépé, ça faisait beau et bah et puis là ça flotte du coup. Donc et bien du coup vous avez été nombreux à vouloir que je fasse un épisode 3. Et bien c'est parfait parce que moi ça me va très bien étant donné que j'aime beaucoup le jeu. Donc ça tombe super bien. La pluie elle est vachement forte, c'est un truc de malade. Alors je vais vous montrer quand même ce que j'ai mis dans la Sync à 1000. Donc j'ai chargé ce matin avec Pépé un répar kit, un cri pour changer les roues, deux roues de secours, donc un réservoir pour changer l'eau, tout neuf, un filtre à gasoil tout neuf, une bouteille d'eau, un bidon d'essence et un bidon d'huile. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Niveau moteur pour l'instant, où est-ce que j'en suis? Je vais aller voir. Niveau moteur, tout va bien, impeccable, nickel. Oh bah vous me direz, on n'a pas beaucoup roulé hein, depuis ce matin. Hein. Un pépé. Oh, putain, mon dieu, gars. Je délire, comment que c'est fort. Hein? D'après toi, combien de kilomètres qu'on a fait depuis ce matin? Hein? Merde. Non? Tu veux pas me le dire? Oh, on a fait à peu près, allez, à tout péter, on a fait 50 bornes, va. Donc, elle est éteinte, la Sync à 1000? Non, elle était pas éteinte. C'est délire. J'étais en train de niquer de l'essence dans le vent là. Non, peut-être au point mort, elle consomme pas, ça va, tranquillement. C'est en roulant qu'elle consomme. Bon, y a personne. C'est bon, on y va. Et on arrive déjà dans le rond-point de la mort. Et vous avez été quand même pas mal à me laisser des conseils sur le jeu. Attends, parce que j'ai pas envie de me manger une bagnole. C'est pas de ça, mais c'est que la Sync à 1000, elle est pas assurée tout risque, tu vois ce que je veux dire? Si je me prends un pare-choc, c'est pour ma pomme. Regardez ça, il avance pas. Pas de clignotant, rien. Eh bah ouais. Eh bah. Ah putain, c'est pas vrai. Déjà, on va éteindre les warnings. Je vais allumer mes phares un peu. Voilà, tranquillement. Quoique, je vais économiser la batterie un petit peu. Parce que oui, ça bouffe la batterie. Alors, vous m'avez laissé pas mal de commentaires sous la vidéo. Vous m'avez laissé pas mal de conseils. Et dis donc, putain, ça fait pas beau aujourd'hui, mon vieux. Et dis, ça te dérange pas de faire le chemin sous la pluie? J'ai dit que non. Il me dit, bah dis donc, elle va être trempée la Sync à 1000. Ah bah tu m'étonnes, ça c'est sûr. Donc, j'ai une lumière de plafonnier apparemment. Oh putain, gars, le bruit que ça fait quand on l'allume. Donc, bien merci à vous de me laisser des petites astuces comme ça dans les commentaires. Ça c'est plutôt cool. Putain, le boucan que ça fait. Ce délire. Donc voilà, j'ai une petite lumière de plafonnier. Donc faut que je fasse gaffe sur le bord des routes parce qu'on a des caisses à ramasser. Il dit haha, on est bientôt arrivé, qui dit ça fait plaisir. Et il dit bah dis donc mon vieux, ça fait 10 ans que j'y suis pas retourné. Et il me dit quand même de faire attention à mon essence. Ok ok pépé, pas de problème. Donc on est parti bien gentiment en direction de la République Tchèque. Et ça va être bien cool. Il dit doucement doucement mon vieux, qui dit on n'est pas pressé, qui me dit. Ah bah eh, quand même hein. Alors cette fois j'ai redémarré à zéro. Parce que faut savoir que la dernière fois quand je jouais, ça faisait un petit moment que j'avais enregistré la partie. Il dit haha, dis donc, on se chie sur la route mon vieux, comment que ça pleut là? Bah j'ai dit oui. Il dit c'est quand que ça fait beau, bon sang. Il dit j'aimerais bien que ça fasse un peu de soleil pour les vacances. Il me dit que ça fait que de pleuvoir depuis tout à l'heure là. Bah ouais bah pépé, bah je sais bien mais c'est pas moi qui fais la météo hein. Et donc oui je vous disais la dernière fois j'avais eu des problèmes de sauvegarde. Mais ça faisait un petit moment que j'avais enregistré la vidéo. Et du coup le jeu n'avait pas encore été mis à jour. Là il a été mis à jour. Donc c'est la version pré-alpha 04 je ne sais plus combien. Oh putain regardez ça comment qu'il avance pas. Lui danger public mon vieux. Et forcément quand je veux le doubler il accélère. Bah tiens hein. Regarde moi ça ce mauvais conducteur. Tiens on va le doubler va. Salopard. On va faire une queue de poisson. Tiens, salopard. Bon, tout ça pour vous dire que cette fois-ci, le jeu est à jour. Donc, j'espère que ça devrait bien marcher au niveau des sauvegardes. Il dit, dis donc, mon vieux, il y a du brouillard qui me dit. Il me dit, ça te dirait pas qu'on s'arrête à l'hôtel, dormir un peu? Bah, j'ai dit oui. On va y aller. On va y aller. Il me dit, dis donc, je pensais pas commencer les vacances sous la pluie, moi. Il me dit, ça fait bien chier. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu de soleil qui me raconte. Eh ben ouais, bah je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux rien y faire, comme je t'ai dit, pépé, c'est pas moi la météo. Là par contre, je pense qu'on va allumer un peu les phares. Voilà, parce que là on voit pas grand-chose. On dirait qu'il y a un peu de brouillard. Il y a une bagnole devant moi là. Au niveau de l'essence, je suis comment? Ouais, bon bah j'ai la moitié du plein, tranquillement. On va avancer tranquillement, mais cette fois-ci je peux vous dire que... Ouh, putain! Bah ouais mon vieux, bah eh oh! Hein?
Il me dit, fais attention dans les ronds-points, qui me dit, Pépé, on vieux. Il me dit, t'as failli faire péter mon pacemaker, qui me dit. Bah, désolé. Désolé, désolé. Oui, Pépé, il est un peu cardiaque. Vas-y. Hein, regardez-moi ça. Pas de clignotant, mon vieux. Allez, hop. On va doubler ça. Et c'est parfait, mon vieux. Let's go, la République tchèque. C'est parti. En plus, on est arrivé, là. On va s'arrêter. Ouh, aïe, 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 aïe. On va s'arrêter dans un magasin ou dans un petit hôtel, histoire de dormir. There is a motel. Yes, il me dit qu'il ferait bien une petite sieste, là. Vas-y. Ouais, ouais, on va s'arrêter. On va s'arrêter tranquillement. Hop là. Hop, hop là. Bah, putain, mon Dieu. Allez. Il me dit, ah, bah, dis donc. Il me dit, c'est bien, tu t'es bien garé, qu'il me dit. Très bien. Je prends de le porte-monnaie. Impeccable. Alors ça aussi, on repart avec 100 balles, donc c'est plutôt cool. Ouh, j'ai pas éteint les phares, mon vieux. Puis j'ai l'impression que le moteur il fume. Oh ben, on verra ça demain matin à la fraîche. Hein? T'en penses quoi, Pépé? Hein? Bah, il me dit que oui. Il me dit que ça te dérange pas. Il me dit bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Que puis-je pour vous? Une chambre, s'il vous plaît. Tiens, prends ça, mon vieux. Alors, elle me dit, attends déjà. Tiens, Pépé, range donc le porte-monnaie dans la voiture. Tiens, voilà, hop là. Elle me dit, prends la clé. Et elle me dit, passez une bonne nuit. Et ben merci à vous. Au revoir, 2A. Alors, 2A, 2A, 1A. 1B. D'accord, bon, bah ça doit être à l'étage. Allez, Pépé, on va se mettre au chaud un petit peu. On va se mettre au sec, parce que franchement, là, ça pleut des cordes d'or. Ah, ben voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la 2A? Ah, pas plus de choses que dans la 2B la dernière fois, j'ai l'impression. Mais bon. Allez, Pépé, rentre donc te mettre au chaud. Ah, dis donc, regardez-moi ça, comment que ça pleut des cordes d'or. Allez, Pépé, en espérant que demain, il fasse meilleur. Bonne nuit à toi. Ah, on se réveille. Bonsoir, bonsoir. Bon, bah, Pépé, j'imagine qu'il est déjà rentré dans la voiture. Le petit pichou du matin, c'est bien cool. Hop. Voilà, on va lever la culotte, on fait un petit pipi, on tire la chasse d'eau, elle marche pas. La femme de ménage s'en chargera. Allez, les clés. Ah oui, les clés, c'est vrai, on peut pas les retirer de la porte. C'est plutôt bête, ça, quand même. Bonsoir, bonsoir, merci bien, ça fait... C'était bien cool. Je vous prends le journal. Voilà. Passera mon pépé pour la route. Impeccable. Allez, on est parti. Oh merde. Bah merde, j'ai perdu le journal. Putain, attends, c'est quoi ces bruits de pluie alors que ça pleut pas là? Ah, il me dit, dis donc, il me dit, c'est bizarre, j'entends des bruits de flotte et ça pleut pas, qui me dit. Bah, je suis totalement d'accord avec toi, c'est ça le pire. Donc, cette fois-ci, on va passer la frontière, comme la dernière fois. Pour l'instant, tranquillement, on va démarrer. On a encore de l'essence. Je pense que on va s'arrêter. On va essayer de s'arrêter, faire le plein quelque part. Après, faut que je trouve une boutique. Attends. Ah, Pépé, tu me dis si tu vois une boutique dans le coin? Putain, comment qu'elle peine, mon vieux, la 5000? Je suis à fond sur l'accélérateur. Oh la vache, comment qu'elle a peine à repartir. Oh, le temps de réaction. Wouh. Énorme. Ouh, tiens, 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 tiens. Regardons voir. Psst. Oh putain, ce serait pas une station essence ici, là. Ah oui, alors aussi, oui, tiens, regardez. Je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer. On va se garer là, tranquillement. Attends, Pépé, tu m'attends dans la voiture, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps. Hein. J'arrive, hein. Bouge pas. Super. Ça pleut, mais à mort. Mais par contre, il n'y a pas une goutte qui tombe. Normal. J'arrive, Pépé, bouge pas. Je vais vous montrer ici. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, qui me dit. Venez vous mettre au chaud, qui me dit. Minuit. Minuit ou midi, je sais pas trop. Voilà. Ici, en fait, on peut acheter des pièces plus performantes. Donc des nouveaux moteurs, des nouvelles pièces, etc., etc. Vous voyez, à droite, on choisit les pièces. Et voilà, on peut mettre des trucs plus performants, quoi. Mais bon, faut des sous, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. À la fin, je peux vous dire que ça va plus être une 5000, hein. Ça va être carrément une bagnole tunée, ça va être Need for Speed, mon vieux. Allez, hop. Aventi, Pépé. C'est parti. On va aller à la frontière, tranquillement. En espérant que ça va être cool.
Comment qu'à peine, mon vieux? Va falloir que je répare le moteur, là. Bon, je vais voir si je trouve une boutique. On va faire des courses avant de partir. C'est fermé, là-bas? Elle est fermée, la boutique? Ah, bah, avance, mon vieux! Attends, bouge pas, Pépé, j'arrive. Déjà, attends, je vais réparer la bagnole. Je vais prendre mon repère kit. Hop, ça... je vais voir ce qui va pas. Oula, bah y a un peu de tout qui va pas, oui. Déjà, elle veut de l'essence. Ça. Ça, ok. On va remettre un coup là. Il va encore un coup. Voilà. Ok, bon bah tout est pas mal là. Merde, du coup mon repère kit il est mort. De l'essence, pour l'instant ça attendra. Je vais aller voir. Ah bah voilà, bonsoir. Putain, il y a même pas un repère kit. Alors ça par contre, je sais toujours pas c'est quoi là, ces espèces de grenades là. Je sais pas à quoi ça sert. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Ce serait cool. Du pinard pour l'instant, on va éviter. De l'huile, on a ce qu'il faut. De l'essence, on a ce qu'il faut. Ok, parfait. C'est dommage parce que j'aurais bien acheté des repair kits. Mais il n'y en a pas. Ça, c'est quand même dommage. Je vais faire le plein de la bagnole. Oups, la freine. Et on est reparti par là. Voilà, j'espère que ce sera assez bon là. Voilà. Mais non, pas ça. Je m'en fous. Voilà, tiens, je te ferme la porte, Pépé. Bah non, j'ai oublié d'ouvrir le moteur. Pour faire le plein, c'est mieux. Hop. On va faire le plein. Combien est-ce qu'il est le gasoil là? Eh bah mon vieux, les salauds. Bah y'a pas de prix. Eh bah c'est gratuit. Allez hop. On va faire. Oh bah je suis trop loin. Oh merde, je suis trop loin. Je vais rapprocher. Alors c'est dangereux de conduire comme ça. Mais il me dit oui, il me dit t'as un beau pullover qui me dit. Bah ouais. Ouais. Il est pas mal. Voilà, ça impeccable. Ok, par contre c'est horrible le bruit de la pluie. Enfin je veux dire c'est fort quoi. C'est ça. Parce que sinon non, franchement il est bien fait. Allez vas-y. On fait le plein. Ça va me coûter cher cette affaire, hein. Surtout qu'elle boit la Syncamil. Oui, bah regardez. Regardez voir, elle a fermé la grille. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit aussi dans les commentaires, la dernière fois t'as qu'à mettre ta voiture entre les deux grilles et puis tu vas faire les courses. Comme ça si la grille elle se referme, bah la voiture elle bloquera. Oui, c'était pas une mauvaise idée. Mais je sais pas si c'est la meilleure des idées. Ça c'est bon pour faire crasher le jeu à mon avis. Bon, je vais aller payer son essence. Allez hop, bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Tiens. Regarde donc, elle a peur que je la vole. Hein? Arracheuse de dents, bah. Oh là là, cette affaire. Ah bah elle m'a rouvert la grille là. Bon, tiens Pépé, attrape ça. Laisse-moi. Ah bah putain, c'est pas vrai mon vieux. Attends, je vais fermer ça. Maintenant, on est pas mal. Je pense qu'on est parti pour aller à la frontière. On a le plein. On a ce qu'il faut. Donc du coup, on va se rendre à la frontière. Je pense qu'on va essayer de passer par là. C'est pas une supérette ici? Ah non. D'accord, tranquillement. Elle est où la frontière? Là, CSFR. Ok, d'accord. Je vais allumer mes phares. Je vais faire un appel de phare. Bon, bah ça a pas marché. C'est pas grave. D'accord. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais des fois la frontière on peut se faire contrôler. Vous voyez tous les objets là comme ça? Et ben des fois il y a des objets barrés. Donc là par exemple j'ai pas le droit d'avoir de l'alcool dans mon coffre. Il y aura peut-être d'autres frontières. On n'aura pas le droit d'avoir des cigarettes ou des médicaments, des trucs comme ça. Enfin là je sais pas trop parce que j'ai pas trop passé de frontières pour l'instant. Mais je sais que ça marche comme ça. Donc allez c'est parti. Oh, bah désolé Pépé. Oh putain gars. Papier s'il vous plaît. Ouais tout à fait. Bougez pas. Donne-moi les papiers, Pépé. Tenez. Voilà. Ok, c'est parfait. Bon, oula, 420 km. Wouhouhou, sous la pluie. Écoutez, on va prendre celle avec le soleil. En plus, il y a une pompe à essence sur la route. Donc, c'est parfait. On va prendre la route 1. Dresden to Sturovo. Donc, on est parti à Sturovo. Ok, c'est parti. Statistique, et... ben, c'est parfait, ça. Hein? Allez, vas-y, let's go. Ok, le passeport, il est là-bas. Impeccable. D'accord. Oula. Bonne vacances. Merci. Mais ça pleut encore. C'est pas possible. Ça fait que de pleuvoir dans ce pays. Attendez, déjà je vais fermer la fenêtre.
Voilà. Ça fera un peu moins fort. Ça fait que de pleuvoir. Tiens, Pépé, j'allume Apple Radio. Qu'est-ce qu'il y a dans Apple Radio? C'est fort, mon vieux. Oh putain, c'est encore plus fort. Et il me dit, elle est pas mal la musique, il me dit. Ouais. Et plutôt sympatoche. Ouais. Bon, c'est un peu de la musique de sourd. Ça me casse la tête, Pépé. Je mettrai un peu de musique tout à l'heure. Oula, rond-point de la mort. Attention, attention, rond-point de la mort. Il me dit, attention, c'est le rond-point de la mort, il me dit. Ouais, oui. Il me dit, oh bah dis donc, tu le prends bien, qu'il me dit. Il me dit, mais attention quand même. Ah bah oui, bah t'as vu, je me suis amélioré pour le rond-point, Pépé. T'inquiète pas. Ah, c'est plutôt ça, c'est plutôt fort sympatoche par là. Si vous vous souvenez bien la dernière fois, oh putain, le chemin de terre, oh je m'en souviens. Je m'en souviens. Oui, il me dit, fais attention mon vieux, parce que il me dit, il y a de la boue et puis il est en train de me dire que ça glisse fort par là. Il me dit, fais attention, t'as pas des pneus de rallye, hein. Il me dit, c'est la Cinca 1000, mon vieux. C'est pas Sébastien Loeb qu'il est en train de me dire. Donc. Oh putain, je suis en train de dégueulasser la bagnole, merde. Fait chier ça. Ça va pas être cool. Ouh, regardez. Regardez. Hop, 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 hop. Eh ouais, effectivement. Vous me dites, regarde sur le bord des routes, Jolotte. Eh ouais, regardez. Effectivement, on a une caisse.